tour verticale de très grande dimension fabriquée par la société MIBA en Autriche, le plateau peut accueillir des pièces cylindriques de 9,5 à 13 mètres de diamètre. Initialement conçue pour usiner des rotors d'hydroliennes, la machine a été montée dans les règles de l'art par le fabricant en février 2018. Elle a été calibrée et mise en parfait état de fonctionnement, mais n'a jamais été utilisée. Elle est depuis stockée dans des conditions optimales à l'intérieur d'un atelier hermétique à l'abri de la lumière, des poussières et des intempéries. La machine fait à elle seule 40 tonnes et la table 61 tonnes. Le plateau gigantesque de 13 mètres de diamètre peut supporter des pièces jusque 350 tonnes et cadence à 2 tours minute. La nacelle de commande, entièrement protégée, s'élève pour assurer à l'opérateur une vision tout au long des process d'usinage en toute sécurité. La MCRT-14 est équipée d'une commande numérique Siemens avec une tête pivotante à 180 degrés sur l'axe U et indéfiniment sur l'axe C. Son débattement est de 1500 mm sur l'axe X et de 4000 mm sur l'axe Z. L'ensemble est alimenté en 3 x 400 volts alternatifs et nécessite une puissance électrique de 150 kW. La machine est visible à Cherbourg en Normandie et uniquement sur rendez-vous.